si notre jeune ami se dirige vers le château. Êtes-vous sûr qu'il a l'anneau avec lui? Bien. Très bien. Vous serez récompensé. Il va savoir ce qu'il en coûte de s'attaquer à moi. Quelle plus grande souffrance pouvais-je lui infliger que de le retarder dans sa quête, alors que le temps est si précieux. Mais déjà le soleil se lève, et il n'est plus temps de jouer avec ma proie. Maintenant, il se dirige vers la mort, mais cela, il l'ignore encore. Il y a quelqu'un? Répondez! Qui est là? Ne soyez pas surpris. Il y a si longtemps qu'on ne m'a pas parlé. Je croyais encore entendre des voix. Je suis tellement fatiguée d'écouter la mienne. Je suis isolée depuis tant de temps. Qui êtes-vous? Je suis celle qu'on ne désirait plus. Celle qui a été trahie. Celle qui a été injustement bannie. Je suis Darkon. Que faites-vous ici? Et vous? Que faites-vous ici? Mon nom est Jonathan Harker. Le comte Dracula a enlevé mon épouse et... Ah, Dracula! Le traître! C'est lui qui m'a condamné à vivre ici comme une pestiférée. Lui et mes trois sœurs de sang. Aujourd'hui, vous avez ouvert ma prison, mais je ne suis pas libre pour autant. Je ne peux plus pénétrer dans le château. Aidez-moi à briser la malédiction qui pèse sur moi, et je vous aiderai. Thank you.
Ma femme est séquestrée dans le château. Seulement, je ne sais pas où elle se trouve. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Votre femme... Elle doit sans doute être dans une salle dans les tréfonds du château, gardée par les trois démons qui vivent dans la crypte. Comment venir à bout de ces démons et délivrer Mina? Ce ne sera pas si simple. Ce monde est si différent de celui où vous vivez. Le château a ses propres règles. Les ignorer, c'est la mort certaine. Êtes-vous conscient de cela? Je n'ai pas peur. Silence! Croyez-moi, la question n'est pas là. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend. Oui, je peux vous aider, mais vous devrez faire tout ce que je vous dirai. Rien d'autre, sinon vous ne survivrez pas longtemps et votre femme sera perdue à jamais. Parlez sans attendre. Alors écoutez attentivement. Il y a un objet, une pièce essentielle pour que je puisse vous aider à retrouver votre femme. C'est l'amulette qui est gardée dans la crypte sous le château. Mais pour déverrouiller les passages invisibles qui y mènent, il vous faudra d'abord trouver une des clés du système. La médaille de l'ordre du dragon qui appartenait au père de Dracula. Une amulette? Une médaille? Quel rapport avec ma femme? Ne discutez pas! La médaille de l'ordre du dragon est le seul moyen que je connaisse pour atteindre la crypte où se trouve votre femme. Trouvez cette médaille et ramenez-la. Moi seul saurai la rendre utilisable. Voilà, la porte est ouverte, mais je ne peux pas vous accompagner, car le château m'est encore interdit. Thank you.
Si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez été bien plus loin que je ne le pensais. Mais cela ne changera rien au sort que je vous ai réservé. La nuit venue, mes striges vous traqueront impitoyablement. Votre destin est scellé. Quant à Mina, elle est ici, au château. Mais n'ayez aucune illusion, vous ne la reverrez jamais. Quel cruel sentiment d'impuissance que de la savoir si proche et de ne rien pouvoir faire. Et surtout que d'exploits accomplis pour échouer si près du but. Vous savez désormais qu'on ne peut pas se mettre en travers de mon chemin sans le payer de sa vie. Maintenant, je dois vous laisser. Une importante affaire réclame ma présence à Londres. Je crains fort que nous n'ayons plus l'occasion de nous revoir. Profitez bien des derniers moments qu'il vous reste à vivre. Ce sont sans doute les plus précieux de votre courte existence. Comte Dracula.
Savez-vous à quoi peut bien servir cette sphère ? Il ne faut pas se fier à l'apparence des choses. Une simple sphère comme celle-ci peut dévoiler l'avenir, mais aussi révéler des secrets. Il suffit parfois de peu de choses pour que les signes apparaissent au grand jour. Une sphère de cristal peut servir de lien entre un monde et l'autre. Comment révéler ces signes puisque cette sphère n'est pas en cristal ? Je suis une magicienne. Voyez de quoi les forces occultes sont capables. Prenez la sphère en cristal et avec elle, sachez découvrir les signes qui vous ouvriront une partie secrète du château. Mais n'oubliez pas que trouver l'amulette reste votre priorité. Voici la médaille du dragon. Enfin, je pense. Elle est très abîmée. Faites voir. Dracula a sans doute tenté de la détruire, mais ces objets-là ont la vie dure. Oui, c'est bien elle. Magnifique. En quoi cette vieille médaille toute rayée est censée rendre le château plus accessible ? Patience. La médaille est le symbole de l'ordre du dragon. Une confrérie forte. Le père de Dracula l'avait reçue des mains mêmes de l'empereur Maximilien en 1431. On lui prête des pouvoirs surnaturels. Cependant, pour redonner à la médaille son aspect originel, je dois faire couler votre sang. Donnez-moi votre main. Attention, si jamais... Ne soyez pas si méfiant. Regardez, elle représente la croix plantée dans le dragon. En souillant cette médaille de son sang, Dracula a fait triompher les forces obscures, le dragon, le diable, mais elle possède toujours son pouvoir divin. Maintenant, mettez la médaille au bon endroit et le château dévoilera ses pièces secrètes. Intéressante découverte. Savez-vous à quoi sert cette petite croix ? Vous allez me le dire. Connaissez-vous le principe des carrés magiques ? Savez-vous le pouvoir qu'on leur prête ? On dit que celui qui est dans le château maintient l'équilibre des forces du bien et du mal. Lorsque vous aurez résolu son mystère et libéré la croix emprisonnée, selon le sens dans lequel vous tournerez la croix, vous ouvrirez l'accès à l'un ou l'autre des mondes. Cela veut-il dire que je vais libérer les forces du mal ? Les forces du mal, comme vous dites, sont déjà libres depuis longtemps. Mais les symboles que vous manipulerez sont maléfiques. Ce sera votre dernière épreuve. Si vous la résolvez, le chemin de la crypte sera grand ouvert.
Alors vous devrez me ramener l'amulette le plus vite possible. Thank you.
L'amulette sacrée. Qui a réveillé Samira? Arrière! Reculez! Qui es-tu, misérable? Repose cette amulette immédiatement, sinon mes sœurs et moi, nous allons te faire connaître la plus terrible des morts. Vous mentez. Dorco m'a dit que j'étais protégée. Dorco? Cette vieille sorcière, tu es donc le valet de Dorco. N'accorde pas de crédit au dire de cette folle. Elle te manipule. Elle devait faire le sale travail, mais tu vas mourir pour rien. Repose cette amulette. Pourquoi ne m'attaquez-vous pas, si ce n'est à cause du pouvoir de l'anneau du dragon qui me protège? Vous ne pouvez rien contre moi. Ah, crois-tu pouvoir nous échapper très longtemps? Tu ne peux aller nulle part. Tu finiras bien par tomber d'épuisement. Tu ne tiendras que quelques heures ou plus. Nous, nous avons l'éternité devant nous. Lorsque tu sombreras, ce sera pour ne plus jamais te réveiller. Thank you.
Donne-moi l'amulette. Vous pouvez entrer dans le château? Comment cela se peut-il? Ton esprit est vif, mais il reste celui d'un mortel. Lorsque tu as pris l'amulette dans sa niche, la malédiction a été brisée. Je peux désormais aller où bon me semble. Maintenant, donne-moi l'amulette. Pas tant que vous ne m'aurez pas dit où se trouve Mina. Tu sembles avoir bien vite oublié l'aide que je t'ai apportée. Voilà donc toute ta gratitude. Parlons-en. Pour l'instant, je n'ai rien fait d'autre que de risquer ma vie pour récupérer cette amulette à laquelle vous semblez tant tenir. Maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Dites-moi où est Mina. Je te fais une ultime proposition. Après, tu n'entendras plus parler de Dorco. Donne-moi l'amulette et je te montrerai ta femme. Tu peux avoir confiance. Je n'ai qu'une parole. Bien. Tu as pris la bonne décision. Et maintenant, montrez-moi ma femme. Mais je te l'ai dit, je n'ai qu'une parole. Regarde. Mina! Voilà. La parole donnée a été respectée et j'ai enfin récupéré l'amulette sacrée. L'heure de la vengeance a sonné. Tremblez. Tremblez devant le pouvoir retrouvé de Dorco. Quant à vous, j'ai payé ma dette. Mais lorsque Dracula sera de retour, j'aurai besoin de lui prouver que je peux régner à ses côtés comme je l'ai fait avec son père. Quelle meilleure preuve de mon allégeance pourrais-je lui donner que d'avoir capturé son ennemi, récupéré l'anneau du dragon et protégé sa promise. Vous avez décidément trop de valeur pour que je vous laisse partir. Thank you.
On dit qu'on ne ressort jamais de l'enfer. Cette fois, le miracle a eu lieu. Car il s'agit bien d'un miracle. Mina est près de moi, encore inconsciente mais vivante. Et c'est bien tout ce qui compte. Je ne sais pas quelles séquelles vont lui laisser cette aventure, mais j'ai la certitude que tant que le comte vivra, Mina sera en danger. Je ne puis éviter la confrontation plus longtemps. Une fois à Londres, il me faudra affronter Dracula. Pour Mina, et pour tous les hommes de cette terre, cette fois et avec l'aide de Dieu, nous vaincrons le monstre. Définitivement. J'en fais le serment.